Ce n'est pas Daniel Picoulic qui le contestera. Le président François Hollande, accompagné de Valérie Trierweiler, mais aussi d'Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, prit le temps d'un bain de foule au Festival d'Avignon. Dans le off, avec l'accréditation officielle de l'Élysée et des organisateurs de l'événement, nous avons suivi et recueilli des informations sur ce que pense le président de la République de la Culture aujourd'hui en France. Voici un extrait de ce reportage exclusif. Des troupes qui vont rencontrer un public très important. Puisque vous me donniez le chiffre, je ne sais s'il est officiel, lui, mais il est peut-être off, il y a plus d'un million, 1 200 000 entrées payantes. Vous voyez déjà. Enfin, 1 million. Qui assistent au spectacle. C'est déjà l'essentiel. Et vous l'avez rappelé, beaucoup d'autres qui vont découvrir ces spectacles qui sont joués en Avignon parce que ça sera programmé dans un salon de salles partout dans notre pays et au-delà. Donc je devais venir ici. J'étais la fois dernière candidat. J'étais donc seul, ou presque. Enfin, vous étiez déjà un certain nombre à avoir pensé que je pouvais demain être président et qui m'avait demandé d'ailleurs, m'aviez demandé à cette époque de prendre un certain nombre d'engagements. Que Aurélie Filippetti et que le Premier ministre vont être obligés de respecter. Le premier de ces engagements, c'était de préserver autant qu'il était possible les crédits de la culture et du spectacle vivant pour l'année 2020. Et grâce à l'obstination de la ministre et aussi à la bonne volonté du Premier ministre, il y a eu le dégel, même si ça n'a pas pris cette forme, des crédits qui sont alloués au spectacle vivant. Nous avons mieux à faire que simplement préserver. Et ce sera le travail qui va être engagé dans les prochaines semaines pour faire, le moment venu, une loi sur le spectacle vivant et d'une manière générale le développement de la culture, la démocratisation de la culture. Mais ça suppose qu'il y ait d'abord des professionnels. Et ça sera la question de l'intermittence qui se posera et qui devra être réglée avec des principes qui permettent d'accorder ce régime à celles et ceux qui sont justement concernés par ces métiers. Donc j'étais venu l'année dernière en off, là je viens en on, donc mes propos m'engagent davantage, mais je veux dire tout mon soutien, autant qu'il est nécessaire. Soutien moral, celui-là, il ne coûte pas cher, mais il est déjà important. La considération, le respect, le souci de la dignité, considérer chaque création comme une chance pour notre pays, c'est ce que doit faire le président de la République. Parce que c'est ce qui permet de réunir tous nos concitoyens au-delà de leur parcours, de leurs différences, de leur sensibilité. Je me souviens ici, j'ai été interpellé, dans cette salle même, il y avait un débat par des artistes qui se considéraient pas suffisamment représentés par leur couleur de peau dans un certain nombre de spectacles ou à la télévision. Oui, c'est aussi ça. La réunion, le rassemblement de ce que nous devons faire, la considération que nous devons apporter. Alors après, il y a bien sûr les moyens que nous devons dégager, je ne vous mentirai pas. Ce sera difficile de pouvoir promettre à tous les secteurs qui en ont le besoin les financements appropriés. Nous ferons l'impossible, mais en même temps, il y a forcément des limites. Et je sais que vous le comprendrez. Donc nous devons aller à l'essentiel et permettre de faire jaillir tout ce qui est la créativité de notre pays. Voilà ce que j'étais venu vous dire officiellement maintenant dans ce festival formidable qui permet à des jeunes troupes d'être très fiers, parce que c'est le meilleur diplôme. Je suis passé par Avignon, moi aussi. J'étais passé par Avignon l'année dernière, je suis devenu président de la République. Voyez, votre avenir est tout tracé. Merci. La ligne de produits du off maintenant.
il y a des fans.